Début décembre, un référendum sur l'indépendance a été organisé sur l'île de Bougainville. Cette île est située à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les résultats, officialisés il y a quelques heures, donnent une écrasante majorité en faveur de l'indépendance. Plus de 98% des Bougainvillais sont pour l'indépendance. Bougainville deviendra donc un pays sous peu. Bougainville, c'est ça. Ceci. Et ça aussi. Et ça. Bref, pour comprendre, il faut remonter en 1970. Tout le territoire papou est alors attaché à l'Australie, en tant que province. L'Australie aide alors à l'installation de plusieurs entreprises minières sur l'ensemble du territoire. Et c'est cette mine-ci de cuivre à ciel ouvert à Panguna, détenue par l'entreprise Rio Tinto, qui nous intéresse. Elle reste aujourd'hui la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert. En 1971, un mouvement citoyen demande la fermeture de la mine à cause de dégâts environnementaux qu'elle inflige au beau pays. Il proteste aussi contre le peu de retombées économiques sur la population. C'est en 1975 que tout s'accélère. La Nouvelle-Guinée déclare son indépendance vis-à-vis de l'Australie. En septembre 1975, les Bougainvillais déclarent leur indépendance non sans violence et se fait réintégrer de force en Papouasie un an plus tard. En 1988, Francis Onna crée la BRA, Armée Révolutionnaire de Bougainville, qui va saboter la mine et déclarer une nouvelle fois l'indépendance. Une guerre civile éclate donc et dure plus de 10 ans. Elle oppose la BRA, les Papous néo-guinéens et les Bougainvillais. 20 000 personnes mourront lors de ce conflit. Vers le début du 21e siècle, c'est la Nouvelle-Zélande qui, avec son rôle de médiateur, parvient à faire signer un accord de paix. Ce texte annonce la fin de la guerre, le retrait des armées et le démantèlement de la BRA, ainsi que la réouverture de la mine de cuivre de Panguna. En échange, Port Moresby doit organiser un référendum sur l'île de Bougainville permettant au peuple de choisir s'il veut l'indépendance ou non avant 2020. Finalement, suite à des revirements politiques en Nouvelle-Guinée, la mine ne sera jamais rouverte. Francis mourra à 52 ans de la malaria. Aujourd'hui, on sait que l'indépendance a été approuvée à 98%. Pour devenir un pays, Bougainville devra convaincre l'ONU, bien qu'actuellement seule l'Australie s'est montrée dubitative. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est en accord avec l'indépendance pour préserver la paix, mais déclare tout de même que le référendum ne doit pas servir d'inspiration aux séparatistes de Papouasie-Occidentale et aux électeurs lors du référendum de Nouvelle-Calédonie de 2020 pour l'indépendance vis-à-vis de la France. Buka, la capitale, a annoncé que comme pour les autres pays du Pacifique, Bougainville demandera probablement à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande de l'aider à développer ses institutions, tandis que la Chine et les États-Unis ont déjà noué des partenariats économiques. La séparation complète du pays durera certainement encore quelques mois. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous voulez avoir d'autres vidéos d'actualité ou de géographie, c'est sur DocGeoFan. Et à bientôt.